C'est José pour Pinceau. Alors, je vous présente le projet incroyable. Je suis là pour faire la démo de ça. Alors, on va travailler en mix média et panne pastel. Alors, juste le temps que les gens se rebranchent, j'imagine. Alors, incroyable est un mix média. Si vous avez, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous avez peut-être déjà vu passer Rosie, Marion. Le dernier s'appelait Salut Monique. Le dernier s'appelait Chaton parce qu'elle avait un petit chat sur l'épaule. Là, j'ai fait incroyable. Si vous vous demandez pourquoi qu'elle a appelé ça incroyable, ben c'est juste parce que j'ai tombé sur une phrase qui est marquée sur la toile qui dit si vous essayez toujours d'être normal, vous ne saurez peut-être jamais à quel point vous pouvez être incroyable. Alors, je trouvais ça beau, puis je me disais, bon, ça pourrait bien se marier avec un petit visage comme ça. Fait j'ai décidé de l'inclure dans le projet. C'est comme ça que ça s'est parti. Et puis, ben, pour que ça fasse le lien, j'ai voulu l'appeler simplement comme ça. Incroyable. Alors, on va tourner la caméra, puis je vais vous montrer ça. Je vais juste vous dire avant qu'on tourne que ce patron-ci est disponible en papier, comme toutes les autres, que vous pouvez commander chez Pinceau. Et en PDF aussi, si vous préférez le loader dans votre ordinateur. Ensuite, vous pouvez aussi vous brancher sur la plateforme de Pinceau Thinkific, comme c'est écrit l'autre bord. De ce bord. Non, de ce bord-là. Il s'est mêlé. OK. Alors, de ce côté-là, Pinceau, pin-mso.thinkific.com. Allez vous inscrire. Vous pouvez voir des petites parties d'introduction de chaque vidéo. Et vous avez la méthode exacte. Là. On met toutes les étapes. Alors, parfois, il faut accélérer un petit peu certaines sections. Mais en gros, vous voyez toutes les étapes de fabrication du projet. Alors, même si vous êtes débutant, ben vous avez au moins toute l'explication. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez demander des renseignements. On va vous répondre. Alors, on essaie d'être le plus possible présent pour vous répondre. Des fois, il peut y avoir des délais, mais on essaie d'être là puis de vous répondre à vos questions. Alors, allez voir ça. Alors, on va tourner puis je vais vous faire la démo de Mix Media et Panne Pastel. Je vous présente le projet incroyable. Alors, le patron a l'air de ça. Vous avez la photo principale. Vous avez des photos d'étapes pour les étapes d'acrylique, les étapes de collage et les étapes de panne pastel. Jusqu'à la fin, vous avez l'écrit pour vous dire un peu plus précisément comment faire. Vous avez le croquis aussi et la liste de matériel. Alors, vous pouvez avoir tout ça pour vous aider à faire ce projet. Là, j'ai préparé des étapes qui sont déjà faites parce que c'est trop long là, à faire en démo. Mais je veux vous montrer. Je suis encore dans mon cahier pour celles qui se poseraient la question. Je suis toujours dans mon beau cahier que j'ai fait plein de démos que vous avez vues au fil des années, au fil du temps. Et ben vous avez les collages de dentelle. Ça, c'est Marion que je parlais tantôt. Alors, il y en a de toutes sortes là. Il y en a qui sont pas finis. Il y a toutes sortes de choses. Alors, je continue dans ce cahier-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, quand vous voulez pratiquer une technique, vous pouvez aussi le faire dans un cahier comme ça, un livre. C'est du papier aquarelle qui est dans ce livre-là. Donc, c'est très résistant. On peut mettre de l'acrylique. On peut mettre plusieurs couches de la même manière que sur une toile. Et j'ai même essayé de l'huile, puis ça a marché. Oui? OK. On m'a dit qu'on a même essayé à l'huile, puis ça a marché. Alors, hein, tout est possible. Alors, pour ce projet-ci, j'ai fait un fond, contrairement aux autres, les autres petits personnages comme ça que j'ai fait, était un peu différent dans le sens que je gardais beaucoup de blanc dans mon fond. Quand je l'avais là, tantôt, le fond de chaton, vous voyez, j'avais encore beaucoup de blanc, puis j'avais juste quelques lavis de couleur. Alors, ici, j'ai décidé que je couvrais la toile de couleur acrylique au départ. Alors, j'ai utilisé le jaune de nappe, le ivoire bof titanium et le orchinacridome de golden qui me donne mes teintes orangées. Mélangé avec les beiges et les jaunes, ça me fait un beau fond. Alors, ça, c'est ma première étape. Après ça, j'ai fait le pochoir avec le noir. Alors, le pochoir, c'est le pochoir Crazy Wave qui s'appelle, avec le noir de PBO.
Puis là, je suis venue jumeler deux fois. Tu sais, j'ai placé une fois, une deuxième fois pour me faire des lignes qui passent à travers. Ici, moi, mon projet, là, il est beaucoup plus petit dans mon... Ben, il est pas plus petit, c'est-à-dire le dessin est la même grosseur que sur ma toile, mais je l'ai pas au complet. Alors, dans la toile, c'est ce qui me crée mes motifs dans mon vêtement. Oui, c'est ça. Fait que j'ai pas fait de collage, contrairement à ce que j'ai déjà fait, là. J'ai pas fait de collage dans les vêtements. C'est vraiment le pochoir qui fait mon motif au moment où je fais mon arrière-plan, au moment où je fais mon fond. Alors, ça vous donne un peu une idée des premières étapes. Ensuite de ça, j'ai fait une couche couleur peau dans mon visage et du blanc un peu dans les yeux. Fait que là, je voulais juste vous expliquer ça parce que je sais que ça, quand même, on en a fait déjà ensemble. Un coup que j'ai fait tout ça, là, j'ai fait... Ah, oh, j'ai oublié ma palette, tu vois, là. Un petit peu, ça va prendre. On va trouver, j'espère que je vais la trouver vite, par exemple. Sinon, on va mettre ça là-dessus. Ah non, c'est mon papier sur l'écran. OK. Fait que je vais vous montrer à coller. La prochaine étape, ici, j'ai collé mon papier... Mon papier, comment il s'appelle? Lui, il s'appelle Akebono, rose et jaune. Fait que, hein, c'est quelque chose. Akebono, rose et jaune. Fait que, rendu à cette étape-là, c'est ce qu'on fait. On vient coller le papier. Puis vous allez voir, le papier, quand on l'achète, c'est une grande feuille. Là, vous recevez une feuille, c'est au moins ça de large, plus la grandeur au complet. Là. Et là, vous pouvez déchirer comme vous voulez. Puis vous voyez que ça fait très blanc, puis qu'ici, c'est beaucoup plus transparent. Alors, aussitôt qu'on le colle, on va atteindre une transparence. Fait qu'avec le liant Bendex, je viens en mettre et j'en mets. Hein. Puis j'en mets aussi par-dessus, donc ça devient très transparent. Ça, moi, ce que je veux quand je fais ça, c'est juste d'aller chercher la texture du papier, les filaments que je vais voir encore en transparence à travers de mes étapes d'acrylique et de panne pastel. Donc, j'en mets beaucoup. Je veux que ça s'intègre à mon fond, que ça fasse partie de l'arrière-plan. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours ce qu'on veut, mais là, c'est ce que je veux. Puis ça vient aussi atténuer les pochoirs que j'ai fait en noir, ça vient les faire fondre aussi dans mon fond. Alors, toutes ces étapes-là vont me donner ces effets-là. Tranquillement, à force de faire des étapes, j'arrive à avoir une certaine un lien avec tout ça, là. Fait que, je vais venir le mettre demain, mais je me suis gardé des grands morceaux. Et voilà. Puis en même temps, de venir créer toutes ces textures-là moi-même avec la peinture, j'aurai pas l'effet que je vais avoir quand je vais rebrosser sur ça avec le panne pastel. Ben, ça va accrocher différemment sur les parties qui ont le papier que sur les parties où c'est juste de l'acrylique. Fait que quand je colle comme ça, là, vous voyez, j'atteins une transparence qui reste pas mal jusqu'à la fin. Ça reblanchit juste un tout petit peu. Ceux-là sont bien secs. Puis, j'ai des textures dans mon fond. Fait que c'est ce que vous voyez dans ma toile un petit peu, là, à travers des couleurs. Si vous voyez des questions puis que vous êtes capable de me les dire, vous me le direz, s'il vous plaît. Et voilà. Fait que ça, c'est l'étape de collage. Ensuite, quand on fait du mix média avec le panne pastel, ce qui est important, c'est de se donner une surface sur laquelle on va être... que le panne pastel va bien adhérer. Ça, c'est très important. Le panne pastel, c'est juste de la poudre, hein? C'est volatile. C'est pas quelque chose qui contient un liant.
Alors, il faut lui créer une base pour que ça colle bien, que le pain de pastel adhère bien à la surface. Si on travaille sur du papier pour le papier est conçu avec des écailles, avec une petite texture qui fait que le pain de pastel va coller dedans ou les craies pastel ou les crayons pastel. Fait que ça va fonctionner aussi. Mais comme moi, je le travaille en mix média, je me fais des couches d'acrylique, je fais des collages avec un produit qui est très brillant, j'ai mis toutes sortes de textures. Il faut que là, je lui redonne une texture égale partout pour que je sois capable d'avoir une uniformité, puis que je lui donne une grippe pour qu'il adhère à ma surface. Alors, il y a deux produits qu'on peut utiliser pour faire l'adhérence du pan pastel. C'est le gesso transparent ou le fond pastel de Golden. On a les deux produits, nous, ici en magasin. Je vous explique un petit peu la différence. Le gesso transparent... Je vais prendre ma feuille pour vous montrer. Le gesso transparent, vous allez voir, il est liquide. Bien, liquide, il a à peu près l'épaisseur du Bendex, on voit. Et si je sors du fond pastel, j'ai eu peur qu'il soit... qu'il veuille pas ouvrir. Je vais en prendre, je vais prendre une spatule. Ouais. Vous allez voir qu'il est quand même très différent. Il y a vraiment une épaisseur. Alors, il est vraiment comme une petite pâte à texturer qui se tient. Là. Ça ne coule pas comme l'autre. Là, tu sais. Donc, il faut que je le travaille selon ce que je désire avoir. C'est ça la différence. Puis aussi, vous voyez qu'il est plus gris, il est plus beige un peu. Mais pour moi, les deux ont leur pertinence. C'est-à-dire que si je voulais recréer de la texture, ben je pourrais prendre ma spatule puis venir appliquer ça puis laisser une petite texture, ce qui ferait que mon pan de pastel adhérerait sur cette texture-là que je verrais apparaître au moment où je ferais mon pastel. Alors, ça peut être une façon de le faire. C'est ça qui est intéressant avec le fond pastel. Je peux pas faire ça avec le gesso transparent. Si j'ai ce produit-là, puis je veux l'utiliser comme le gesso transparent, alors je vais le diluer avec un peu d'eau pour lui donner la texture de l'autre et en même temps augmenter sa transparence. Fait que ça me demande un petit peu de travail, mais j'ai un produit qui est versatile, c'est-à-dire que je peux faire différentes choses avec et en le diluant, il devient complètement transparent. Fait que là, je l'amène à avoir vraiment la texture du gesso transparent. Et voilà. Fait que je vais juste, tant qu'à avoir mis ça là, l'appliquer sur mon par-dessus. C'est ce que je fais à cette étape-là. J'ai appliqué mon gesso transparent ou mon fond pastel sur toutes les étapes que j'ai faites. Mais ton collage, oui. Il n'est pas sec. Ouais. Mais il est supposé d'être sec. Il est supposé d'être sec. On va dire qu'il est sec. Mais tu sais, c'est sûr que c'est mieux de sécher ton papier. Là. Le collage que j'ai fait, là, ça serait mieux de le sécher. Si je fais bien attention, là, je devrais pas briser mon papier. C'est pas pour t'embêter, là, vraiment pour moi. Non, je sais, Louise. Mais si j'étais chez moi, j'aurais pris le temps d'y donner au moins un coup de séchoir. Puis moi, la plupart du temps, chez moi, je le fais le lendemain. L'idéal, c'est ça, c'est de le laisser sécher toute une nuit pour que ce soit bien, bien, bien sec. Parce que l'autre fois, il y a une élève qu'en cours, on l'a pratiqué, là, on l'a fait, l'expérience. Elle a fait son gesso transparent comme ça partout sur son projet. Puis on est venu faire du pan pastel tout de suite, elle l'a séché au séchoir, puis là, on y touchait, puis on dit « Ah, ça a l'air correct », mais le pan pastel, il a gommé dedans, puis ça a resté marqué. Puis, il nous semblait sec au toucher, là. Donc, non, je ferai pas de pan pastel de ce côté-là. Parce que je voulais vous montrer ces étapes-là. Puis là, vous voyez, même ça fait un peu blanchâtre, là, parce que là, je l'ai mis partout, puis j'ai tout fait un par-dessus l'autre. Fait qu'il faut que j'attende que ça redevienne vraiment transparent, comme ici. OK? Ça, c'est sûr, là. Vous êtes toujours mieux de laisser sécher un peu plus. Mais on a hâte. Ben, moi, je vous dirais, là, si vous êtes comme moi, là,
Faites juste en partir deux, trois en même temps. Fait que là, t'en prends un autre, t'en prends un autre, tu fais une page dans le cahier, tu fais un petit levis ici, puis là, ben là, t'es comblée. T'es contente. Parce que s'arrêter, c'est plate quand on est parti, mais en même temps, c'est ce qui va donner un meilleur résultat si vous le laissez sécher comme ça. Alors, on va passer au pan pastel. Je vais juste me tasser ça pour ne pas avoir de choses mouillées. Parce qu'il m'arrive tout le temps des... OK. Bon. Ça, c'est mon fixatif. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus tard. On pourra en faire un état. Le pan pastel, dans le visage comme ça, vu que j'étais en mix média, bien là, je peux partir avec déjà une base. Hein. Ça aide aussi pour faire monter les couleurs. Là, moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. Mais vous pourriez travailler juste en pan pastel. Là. Je suis en train d'expérimenter beaucoup ça. Là. Je vais vous revenir avec des projets peut-être juste pan pastel ou pastel avec les crayons pastel. On a reçu des crayons pastel aussi. Fait qu'on va reparler de ça. Je vais vous revenir avec ça. Un autre dépense. Ouais. Un autre joie de dépenser. On va dire ça comme ça. Alors, oups, je vais vous montrer un petit peu comment je travaille la peau. Je l'ai fait un peu différente des autres projets. S'il y en a qui ont fait Rosie, Marion et Chaton, j'ai ajouté une couleur dans ma peau. Fait que je travaille avec... Je vais juste me mettre, je pense que je vais faire ça de même, fait que je ne l'accrocherai pas, puis je vais pouvoir mettre mon stock. C'est quoi le papier que tu as mis, là? Ah, c'est du papier parchemin de cuisine. Tu sais, qui ne colle rien là, dessus, là. C'est ça que je mets entre mes pages quand je travaille comme ça, parce que je ne veux pas que ça colle sur l'autre feuille, fait que je mets ça, ouais. Alors, habituellement, je travaille avec le terre de sienne naturelle. Terre de sienne brûlée. Avec le blanc. C'est ce que j'avais mis dans les autres, puis je gardais mon fond de couleur peau, là. Mais là, j'ai ajouté celui-là qui est Red Iron Oxide. En français, c'est oxyde de fer rouge. Teinte. Alors, les teintes. Alors, je vais vous expliquer ça quand même. Ça fait, je ne l'ai pas expliqué souvent. Quand vous achetez les pannes pastels comme ça, sont classées par... vous avez toujours la couleur pure. Exemple que ça, c'est terre de sienne brûlée. Ben il y a terre de sienne brûlée teinte. Et il y a terre de sienne brûlée dark, foncée. Donc, ce qu'ils font, c'est que vous pouvez acheter la pure et vous pouvez acheter celui auquel ils ont additionné du noir. Alors, c'est une couleur plus foncée, mais on reste avec la base de la couleur terre de sienne. Et vous avez l'autre qui est dilué avec du blanc, alors qui est mélangé avec du blanc. Alors ici, mon rouge, oxyde de fer rouge, lui, il est mélangé avec du blanc. Alors, si j'avais l'oxyde de fer rouge pur, là, il serait beaucoup plus foncé. Donc, ça, c'est un choix parce que vous pouvez faire des mélanges. Tu sais, je peux prendre mon terre de sienne brûlée puis du noir en même temps, puis je vais le foncer. Je vais avoir exactement la même couleur qu'ils vous vendent telle quelle. Fait que là, c'est ça. Moi, les élèves me disaient, ça vaut-tu la peine que j'achète, tu sais, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu fais. Si tu es tout le temps en train de foncer ta couleur de base parce que toi, tu l'aimes en foncé, cette couleur-là, puis c'est ça que tu utilises le plus, ben là, je dirais oui, achète-la en foncé. Comme moi, le rouge oxyde, là, je suis sûre que si je l'achète peu, j'utiliserai pas ça. C'est pas une couleur que j'aime, mais je fais beaucoup de visage. Je vais l'utiliser en teinte comme ça. Fait que j'ai préféré l'acheter en teinte. Vous comprenez la différence? Oui. Fait que ça dépend. Moi, j'ai opté aussi pour acheter un kit de base, c'est-à-dire le kit à 10 couleurs qui vient avec des petits... Oh, je voulais l'amener, j'ai oublié. Bon, en tout cas, qui vient avec des petites éponges, qui est toutes vissées ensemble. Fait que j'ai vraiment les 10 couleurs de base, puis c'est des couleurs pures. Là, après ça, je joue avec mon blanc, mon noir, puis je décide. Si je fais juste des paysages, ben ça va valoir la peine que j'achète des verts avec un peu plus pâle, des verts avec du jaune, tu sais, parce que je vais jouer avec ça, je vais tout le temps être en train de mélanger. Fait que c'est comme ça que moi, je me fie, là, selon ce que j'aime faire. Tu vois, ça, c'est le jaune d'Yarilyn. Je sais pas si j'en ai un qui est...
bright yellow, vert jaune. Non, je suis pas beaucoup dans les teintes là-dedans. J'ai juste celui-là. Alors, je vais vous montrer ça. Fait que pour faire le visage, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que je suis partie avec le terre de sienne, comme j'avais fait dans les autres, et j'ai fait mes ombrages. Puis là, l'erreur que j'ai vue souvent, c'est que les gens en mettent pas assez, là. Vous voyez, j'en mets. OK? Ça a été ça, là. Il y en a qui rient parce que... Puis, je le dépose, là. Là, je viens placer mes ombres avec le terre de sienne. Fait qu'ici, le long des cheveux. Ici, je monte l'ombrage du nez pour aller jusqu'à mon sourcil. Puis, je peux venir ici pour l'étendre un petit peu vers l'intérieur. Mais là, je suis pas dans la nuance. Là. Je suis dans placer mes couleurs. C'est où je veux mes plus foncés. C'est où mes creux dans mon visage. Fait que c'est ça que je viens placer en premier. Puis j'en remets. Vous voyez, je retourne tout le temps dans mon pot. Là. Je viens creuser un peu tout l'œil ici en bas. Est-ce que vous pouvez vous poser? Oui, vas-y. Est-ce que ça, c'est du pastel en poudre? Oui. Fait que si, mettons, j'ai un crayon pastel... Oui. Ça fait pas le même effet ou... Ça fait pas aussi lisse que ça. Okay. C'est ce que je me suis rendu compte. Moi, j'en ai des bâtons de pastel, là, puis on dirait que j'arrive pas à faire aussi lisse. Remarque que j'ai pas encore essayé. Mettons, tu pourrais prendre ton crayon pastel, acheter les éponges de panne pastel, puis l'essayer. Oui, je l'ai essayé. Ça marche-tu? Oui, ça marche. Bon, tu vois, Louise, elle me dit que ça marche. Fait que tu pourrais essayer. Ce que tu peux faire aussi, c'est qu'avec... Mettons que tu achètes quelques couleurs de panne pastel parce que tu dis, hey, j'aime ça, moi, le pastel, là. Puis, tu sais, là, c'est facile d'aller le chercher puis de faire des nuances comme ça, d'ajouter des couleurs. Puis, tu peux quand même utiliser ton pastel en bâton ou en bloc, puis tu viens crayonner dedans, puis tu réestampes avec ça. Si c'est une couleur que tu vas ajouter, tout ça va se mélanger. Puis, c'est pour ça que moi, je voulais les crayons. Parce que là, avec les pannes pastel, on peut faire des beaux aplats, des beaux dégradés et tout ça. Mais pour faire des détails, c'est très difficile avec ça. Donc, avec les crayons, je vais pouvoir venir faire des lignes de la même couleur que mon panne pastel. Je vais pouvoir rajouter des détails. Ou exemple, faire des animaux. Je peux faire toutes des aplats, les ombres, les lumières, les teintes qu'il y a dans un pelage, mettons. Puis après, prendre un crayon, puis là, venir faire vraiment des poils, vraiment des détails, des petits nez, des petits détails. Fait qu'on... Moi, éventuellement, en tout cas, je veux en retravailler de cette façon-là. Là. Merci. Ça va venir. Fait que ça se mélange, en tout cas. C'est ça la réponse que je voulais te donner aussi. Bon, puis là, ici, je viens plaquer ça. Hier, j'ai fait un peu le contour de cet œil-là pour qu'il, lui, soit plus avancé. Puis vous montrer un peu l'œil. Ça va dépendre du temps que je vais avoir. Fait que moi, je viens tout le placer, là, grossièrement pour commencer. Oui. Puis, j'y en avais mis. Là, je regarde un peu ma photo pour faire plus pareil. Ici, je peux aller découper le cou. Là, je suis pas du tout dans la nuance. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment plaqué ça. Puis je trouve que c'est ça qu'on n'ose pas faire. Là. Tout le monde essaye de tout faire tout de suite, là. Tout de suite beau. Non, non. On vient placer nos choses. Ça nous permet aussi d'observer, est-ce que j'ai mis mes ombrages aux bons endroits? Est-ce que ça creuse où je veux que ça creuse? Puis après, ben on va tout le temps être capable, surtout en panne pastel, ça ne sèche pas. Je vais être capable de revenir puis tout mélanger ça. C'est pas comme à l'acrylique où il faut que je fasse au fur et à mesure. Hein? Fait qu'on a du temps. On a du temps de travail. On a du temps d'observer aussi. Bon, puis là, l'autre bord, un petit peu. OK. Puis un tout petit peu ici que j'avais mis le long de ça. Puis là, quand je dépasse, je veux pas que vous oubliez que vous avez toujours la possibilité d'effacer le panne pastel comme ça. C'est merveilleux pour ça. Puis un petit balai pour balayer. Puis un petit souffle pour enlever l'effet poudreux aussi. Alors, je peux venir tout mélanger ça. Bonjour, bonjour! 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 Alors, j'ai de la visite qui arrive. OK. Alors, un coup que j'ai placé ça, là, je vais aller prendre une autre éponge. Puis je vais venir mettre mes blancs. Alors, ce que je veux qu'ils ressortent, c'est le bout du nez,
le front. C'est le blanc de titane. Blanc de titane, ouais. C'est pas le blender. Non, ça c'est le blanc. Ouais. Dans les autres, j'ai utilisé du blender, là, je ne l'ai pas utilisé. Dans le visage. Tu vas chercher la palette dans la boutique. Le kit à 10 qui sont enfilés ensemble, moi je pourrais le montrer si tu veux y aller. Ouais. Je vais le prendre. Fait que j'ai là fait en blanc ce que je veux qu'il ressorte. OK? Autrement dit, ce qui est le plus avancé dans le visage. Alors le bout du nez, les joues. Puis ça me permet de voir là, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai des ronds de bosse qui commencent à se créer, des creux, puis des. Oui, ça marche. Fait que là, je peux l'observer, mon projet. Quand je le crée, c'est beaucoup plus facile de le créer comme ça. Moi, je trouve que de plaquer comme ça, là, je vois tout de suite l'effet. Après ça, entre les deux, c'est là que je suis venue mettre ma teinte de oxyde. De rouge oxyde. Vraiment comme ça. Alors, à ce moment-là, ma surface va être complètement remplie. Mais c'est pas beau, là. Je suis d'accord avec vous. Mais je vois mes effets. Ça ressemble à Iti. Ouais. Mais il était beau, Iti. Il était attachant, quand même. Tu vois, j'ai oublié, ici, j'avais mis un petit peu de sienne comme ça. Bon, puis là, je m'en viens même. Là, je voulais juste vous montrer que je pars vraiment comme ça. Parce que dans le patron, vous avez des photos là, qui vous le dit, mais tout de suite après, ça s'en vient de même. Fait que là, je peux jouer là après ça. Moi, je prends une éponge dans chaque couleur. Donc après, je peux vraiment facilement venir avec l'éponge où j'ai la teinte de rouge oxyde pâli, puis venir jouer avec. Ah, Lise m'a amené le kit de base, c'est ça comme ça. Donc vous avez toutes ces couleurs-là, qui sont toutes des couleurs pures. Alors le blanc, le noir, moi je trouve que c'est la base. Là. Ça, là, ça fait super bien si vous voulez commencer en panne pastel. Vous avez le Yellow Oak, le Hansa Yellow. Le ultramarine violet, le phthalo green, le rouge permanent, qui est super beau, excusez, le burnt sienna que j'utilise présentement, puis le raw amber qui est un brun foncé, puis le noir, le blanc. Puis il y a des éponges, des petits outils, puis tout ça, puis c'est 64,99. Fait que ça, c'est un bon départ, puis ça vaut la peine, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fait que ça revient vraiment moins cher que des achats à l'unité, là. Ça, c'est une grosse différence. Puis, il y a d'autres kits aussi. Là. Il y a des kits plus couleur visage. Il y a toutes sortes d'ensembles. Vous pouvez voir sur le site de Pinceau. Bon, là, j'en ai pas mal partout. Ah, c'est ça. Puis, je venais diluer avec la spatule que j'ai le rose. Puis aussi, la spatule que j'ai le blanc pour ramener mon blanc dans mon rose. Fait que tu vois comment ça se mélange bien. Je suis capable tout de suite d'aller mélanger ça. J'ai même pas mis de blender, là. Parce que le blender, en fait, il t'amène de la transparence. C'est ce que je voulais les autres fois, parce que je voulais garder ma couleur de peau un peu visible à travers. Mais là, en mettant l'oxyde teinte, ben, j'ai pas besoin. Ça vient tout se mélanger. Après ça, je vais faire la même affaire avec le terre de sienne. Puis là, je vais venir mélanger ça comme ça. Pour que ça s'adoucisse. Tu ne mélanges pas avant de foncer. Tu as mélangé le pâle? J'ai mélangé le blanc et le teint, le rose pâle que j'ai ici, là. Non, mais je avec le blanc. Quand tu veux fondre, tu ne commences pas par le foncé? Oh, peu importe. Moi, je suis pas très disciplinée, puis je vais faire ça dans tous les sens. Ouais. J'ai bien de la misère à savoir de quel sens que j'ai commencé, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, je vais tout te mélanger ça. Il n'y en a pas de problème. Ouais. Puis à date, ça va bien. Comment tu viens de...
Tu sais, moi, les règles trop strictes, là, ça marche pas. Moi, je sais. C'est bien correct. Oui. Hey, tu sais, on fait de la peinture pour le fun. Hein. On s'amuse. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Oui, vas-y. Finalement, si je veux avoir accès à ça, c'est à l'avant. Parce que je dois quitter. Si je veux avoir accès à... Au patron, mettons. Papier comme ça, oui, c'est ça. À l'avant, tu les as en avant du comptoir. Il y a des racks en avant. Tu vas pouvoir acheter ça. Tu as mon croquis dedans. Tu as la méthode. Si tu veux l'avoir en vidéo, ben là, tu vas sur la plateforme de pinceau Thinkific. Puis là, tu peux l'acheter en vidéo. Tu me vois le faire de A à Z. Elle est où? Ce projet-là, il est dessus déjà. Oui, il est déjà là. Oui, j'ai regardé un matin. Oui, tu vas le voir. Merci beaucoup. Bienvenue, puis tu vas voir les autres aussi. Ils sont tous en vidéo, les trois autres. Fait qu'il y en a quatre, même méthode que ça. Bienvenue. Bye-bye. Fait que tu vois, je rejoue là, avec tout ça, puis de tranquillement, là, ça va commencer à se mélanger ensemble. Quand j'ai trop ramassé de la couleur, d'une couleur ou d'une autre, ben j'ai essuyé sur mon linge. Ah oui, en passant, mon linge, j'ai trouvé que ça allait très bien. C'est un linge en polyester là, que pour faire du ménage, ça absorbe beaucoup, beaucoup parce que c'est une texture de polyester, donc ça absorbe de la poussière, ça, normalement. Là. Puis ici, ben ça absorbe super bien la poudre de panne pastel. Puis ça brise un peu moins les éponges parce que je trouvais que le papier bleu, là, finalement, il était trop rough. Il brisait mes éponges. Ça les brise pas du tout. Fait que c'est un très bon outil à avoir pour utiliser avec le panne pastel. Regarde, ça s'en vient bien. Ben oui. Vraiment, elle commence à avoir un bel effet. Et je ne perds pas du tout mes sections que j'ai créées de foncé et de pâle. Fait que c'est l'idée, là, c'est d'aller doucement. C'est de ne pas tout mélanger. OK? Fait que je travaille vraiment autour des sections que j'ai créées pour garder. Parce que mes emplacements, je les aimais au départ. Puis c'est pour ça que je fais ça. Je le place rough pour voir si je suis à bonne place. Si je ne suis pas à bonne place, ben je vais pouvoir l'effacer. Il faut vraiment observer au fur et à mesure. Et le pan de pastel comme ça, quand je le fais dans un petit visage de même, je fais toujours deux fois. C'est-à-dire qu'à l'étape où je suis là, je me rendrai pas là aujourd'hui dans ma démo, mais là, je la lisserai pas mal partout. Et je viendrai la fixer avec mon fixatif. Là, je vais juste vous démontrer l'œil, puis je fixerai vraiment à la fin pour vous montrer, vous parler du fixatif. Oui, ça va vite. OK. Fait que là, je trouve que pour ma première étape, là, ce serait quand même pas si mal. Et dans mon œil ici, j'ai fait simplement une couche de cyane brûlée. Comme ça. Et ça a été fixé une première fois hier. Puis là, je voulais juste... cette face-là et pas... prendre les faces de ça, puis venir nettoyer un petit peu. Je sais que je peux effacer, donc je me gêne pas trop quand ça dépasse, là, parce qu'on peut venir nettoyer avant de venir mettre le fixatif. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas s'embarquer main dedans. On est habitué qu'à l'acrylique, c'est fixe, puis qu'on peut s'appuyer dessus. Alors ça, il faut vraiment perdre cette habitude. C'est très difficile, je le sais, puis j'ai dû me battre moi aussi avec ça, mais on y arrive. Là, je vais juste vous mettre un petit peu de couleur dans le chapeau, le vêtement, parce que je trouve que ça va donner une autre idée. Parce que comme dans le chapeau, ouais, ici, c'est ça. Là, je suis venue mettre du fuchsia dans ça. Pas du fuchsia, je dis tout à fuchsia. Il s'appelle magenta. C'est ça, magenta. Alors là, j'ai utilisé le magenta
Et je suis venue chercher le blender. Alors, le blender, il s'appelle Colorless Blender. C'est médium incolore. Lui, à quoi il me sert? Il me sert à diluer la couleur sans changer, à garder la transparence de la couleur. Fait que moi, dans les vêtements, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais garder mon motif visible. Là, je vais l'enlever. Il n'est pas pire séché. Je vais être capable de venir chercher ça comme ça. Puis, j'ai dilué un peu ça avec le blender, ce qui me garde de la transparence pour voir le motif que j'avais dans mon fond. Et ça, je tenais à vous le dire, là, parce que vous allez le voir dans ma liste, puis vous allez dire, ben, elle ne l'a pas pris tantôt. Mais je l'ai mis dans les autres couleurs. Moi, je trouve qu'il faut avoir le blender pour être capable de faire nos belles nuances, là, pour aller chercher les transparences. Mais on ne l'utilise pas tout le temps. Si on veut couvrir avec opacité un peu plus, ben on est mieux de mettre juste le pan pastel. Voilà. Un petit peu de blender. Si je veux les mélanger aussi ensemble avec mon rose. Je travaille pas mal tout le temps avec deux outils à la fois pour mélanger deux couleurs aussi. Puis j'en mets, hein, vous me voyez aller charger, là. Retenez ça, il y en a sur ma palette. Parce que ça, ça a vraiment été la problématique que je me suis heurtée avec les gens, là, que les gens ont eu de la difficulté. Ils n'en mettaient pas assez. Je viens, puis j'écrase mon éponge, puis là, j'ai marqué ma couleur. Voilà. Fait que ça vous donne une belle idée de ce que ça peut faire. Puis on peut jouer comme ça avec les couleurs. Quand on l'utilise avec deux pinceaux, là, deux éponges, je peux vraiment venir mélanger ça, puis intégrer le rose avec. C'est comme si j'avais créé un petit dégradé tout de suite avec ça. Sur mon papier ici, ben ça colle différemment, là, la texture est différente. Ça fait bien le fun. Allez chercher ça. Non, tu vois, c'était l'autre couleur qu'il y avait là. Ah, il remet par-dessus. Voilà. Je peux mettre un peu de blender. Non, j'ai pris du blanc. Tu vois, ça c'est fou, hein? OK. Le colorless. Le rose. Et voilà. Fait que là, son chapeau commence à se former. Je vais vous faire une petite feuille. Vous allez voir comment le beau vert ici il est magnifique. Là, pour ceux qui aiment le vert, ça me donne un vert extraordinaire. Puis, je peux augmenter le vert avec le jaune, les mettre toutes les deux sur mon chose. Puis là, j'ai un vert jaune super beau. Ensuite, la dernière étape que je voulais vous montrer, c'était dans les yeux. J'ai fait du mauve aussi dans ses cheveux. Je suis venue chercher le mauve comme ça. J'y ai fait les cheveux mauves. Fait que ça vient tout découper comme ça. Ça donnait mon foncé aussi. Quand j'ai fait les cheveux, là, je trouvais que ça lui donnait un air plus festif. Et avec le mauve, je suis venue juste teinter un peu à l'intérieur de l'œil ici. Puis ça fait mon rappel de mes cheveux. Et de l'autre côté, j'ai mis un petit peu de jaune pour éclaircir son œil par-dessus le sien. Qu'est-ce que ça fait beau? Fait que là, je fixerai tout ça avec le fixatif et je le sèche pour que ça me donne que ça fixe la première couche. Le fixatif en tant que tel s'appelle fixatif non toxique naturel dans la marque Spectrofix
Et vous avez les vaporisateurs qu'on vend aussi pour aller avec, soit celui-là où on a reçu aussi ceux de Spectrofix. C'est la même genre de bouteille, c'est juste qu'elle est blanche puis elle est étiquetée avec Spectrofix dessus. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça fait un jet très, très... vaporeux, c'est ça. Très vaporisé comme une canette. Alors, c'est très important d'avoir ça. Moi, je trouve que ça va beaucoup mieux que juste le petit spray comme ça. Vous êtes plus sûr de la bruine que ça va faire. Ouais, parce que ça va vraiment pomper, mais il n'y a pas d'arrêt au sol. Alors, c'est pas toxique pour l'environnement. C'est pas toxique pour nous aussi parce que c'est un produit qui est à base de lait de vache. En tout cas, ça vient des vaches. Il y a des vaches dessus. Fait que ça sent pas du tout. Donc, on pourrait... Quelqu'un qui aimerait donner des ateliers, ou quand j'ai donné des ateliers puis que les gens voulaient fixer, on pouvait rester dans la classe, on pouvait continuer. On n'avait pas d'odeur désagréable. Alors ça, c'est très très le fun à utiliser pour ça. Je vais vous en faire un jet, mais là, je veux juste... Ah, j'ai presque fini. Mais je voulais juste vous dire que pour les très foncés, je travaille avec le fusain, alors le Charcoal Woodless Fusain. Puis je travaille avec le Soft. Alors c'est ça qui vient me faire toute ma définition... pour venir faire mes petites finitions de yeux, de petits traits, etc. Puis c'est avec ça aussi que je vais dessiner ma pupille. Puis là, je vais lui donner plus vie avec la pupille qui va être toute noire. Fait, je vais finir avec ça, puis je vais vous donner un petit coup de fixatif. Vous allez voir ce que ça fait. Juste pour avoir l'idée du fixatif en question. Je vais juste me mettre mon couvercle là-dessus. C'est peut-être aussi à faire attention à la maison. Mais quand vous avez le fixatif, ben, il faut la pomper pour la charger. Puis vous voyez le jet que ça fait. Puis là, je viens juste comme sprayer comme ça. Puis je vais le laisser sécher ou je peux l'accélérer au séchoir pour continuer après mes autres étapes. Mais pas plus que ça. Ça sera pas fixé complètement. Si je prends un Q-tip sous mon doigt puis que je frotte, je vais avoir de la couleur encore un peu. Mais c'est assez fixé pour que je continue à travailler. Si vous trouvez que vous voulez plus fixer, ben séchez-le puis venez faire une autre couche. Plutôt que d'essayer de faire une grosse couche, là, vous allez vous ramasser avec des gouttes, vous allez avoir des marques. Tandis que si je le fais doucement comme ça, je suis sûre que ça fonctionne bien puis je peux continuer à travailler. Puis alors, le projet, quand il est fini, oui. Tu le fixes avec ça aussi. Oui, je le fixe avec ça pas aussi. Avec du spray, Ben là, ça dépend des goûts. Tu sais, moi, il y a des élèves qui l'ont fait puis ça fonctionnait très bien. C'est-à-dire qu'ils ont fixé tout le long du projet avec ça en étapes. Si vous mettez beaucoup, beaucoup de panne pastel, exemple qu'on travaille un projet juste en panne pastel, puis vous fixez avec ça à la fin, ça passera pas à travers toutes les étapes. Il faut comme fixer en étapes si vous voulez que ce soit vraiment fixe. Alors, c'est pour ça que la plupart des artistes qui travaillent en panne pastel, ils vont encadrer avec une vitre. Ils vont protéger leur projet s'ils en ont très épais, là. Comme les pastellistes aussi. Sinon, ça va fixer, mais ce sera pas complètement, complètement résistant. OK? Puis si je veux que ce soit vraiment résistant, comme en mix média, comme ça, je peux travailler mince, fixer, refaire une autre étape, fixer, refaire une autre étape, fixer. Je le fais au moins 3 fois, moi, quand je fais des projets comme ça. Donc, à la fin, là, les premières étapes sont super bien fixées. Fait qu'à la fin, moi, je le mets de côté, j'y donne une petite couche, puis je repasse, je redonne une petite couche, je fais d'autres choses, je reviens, je donne une petite couche. Fait que finalement, là, il est complètement fixe quand j'ai fait 4-5 fois la petite couche mince. Et je peux le laisser comme ça. C'est résistant, ça fonctionne bien. C'est pas quelque chose que je vais laver ou mouiller par la suite, là, donc ça va être résistant. Puis j'ai des élèves qui voulaient vraiment être certaines que ce soit bien fixé ou qui voulaient un fini plus brillant. Mais ils ont refixé avec un spray en arrêt au sol brillant, puis ça marche très bien. Mais il faut utiliser de l'arrêt au sol. Vous pouvez pas revenir après ça avec un vernis liquide par-dessus. Ça a été testé, ça marche pas. C'est bon? Fait que ça vous répond pas mal à plusieurs étapes, plusieurs façons de faire. Puis en cours de route, ce que j'ai pas fait beaucoup, c'est si je me trompe complètement, tant que j'ai pas fixé, je peux effacer complètement avec mon efface puis revenir à l'acrylique. Revenir à mon fond qui est à l'acrylique. OK? Fait que ça vous fait pas mal une exploration du pan pastel. Allez voir ça puis expérimentez ça. C'est un super beau médium à travailler. Alors, merci beaucoup d'avoir été là.